tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un haul AliExpress. Donc comme je vous l'ai dit, je vous ferai voir moins d'articles à chaque fois par vidéo pour pouvoir vous mettre tous les liens en barre d'infos parce qu'on est limité en place et certaines vidéos où j'avais trop d'articles, je pouvais pas tout vous mettre. Donc voilà, c'était pas... Je trouve que c'est sympa de vous mettre les liens comme ça, vous n'avez plus qu'à cliquer et puis voilà. Et puis comme d'habitude, je vous inscris les prix par ici. Alors, donc là, c'est des tampons et pour certains, j'ai les dyes qui vont avec. Voilà. Alors, j'ai celui-là d'Halloween. Je ne sais pas encore comment j'ai fait mon compte, mais je l'ai en double. Voilà. Donc, c'est pas grave, je garde. Ce sera pour un prochain concours. Pareil, en double, j'ai celui-là d'Halloween. Donc, pour un prochain concours aussi. Et encore un double, c'est celui-là et je le trouve super, celui-là, ça et les taches, je m'en sers souvent. Voilà, donc tout ça, ce sera de côté pour un prochain concours. Ensuite, j'ai celui-là, donc c'est des feuilles, donc on peut les faire vides ou pleines. Je vais les tester après avec vous, voilà, donc c'est pour ça aussi que je ne mets pas beaucoup d'articles. Et puis on a des inscriptions en anglais. Voilà, avec Thank You par exemple. Et puis, nous sommes les meilleurs. Non, vous êtes les meilleurs. Voilà, congratulations. Hello. Des petites choses comme ça. Et donc, les dyes qui vont avec, c'est cela. Voilà. Donc, pareil, je vous montre après. Ensuite, j'ai celui-là. Des très belles feuilles et fleurs. Voilà, avec aussi quelques inscriptions en anglais, voilà. Et on a les dyes qui vont avec. Ensuite, j'ai des petites sirènes, voilà. Avec, par exemple, Hello Mermaid, donc Salut Sirène. See you soon, à bientôt. Et I love this océan, j'aime cet océan. You are mermaising, donc c'est un mélange de mermaid, sirène et de amazing, fantastique, voilà. Et on a les dyes avec, donc ce qui est chouette c'est qu'il y en a plein, donc à mon avis tous les petits poissons et tout ça, on va pouvoir s'amuser à les découper. Et j'ai ce tampon cactus, donc on peut choisir les pots avec les plantes. Et on a Thank You, Hello et Best Wishes. Et pareil, on a tous les dyes qui vont avec. Et pour finir, j'avais aussi ce dyes là. Alors j'en ai un qui y ressemble beaucoup, faut que je vérifie que ce soit pas le même. Mais je ne crois pas. Voilà. Donc je vais tamponner tout ça sur une feuille cardstock. Donc j'ai pas trop envie de m'embêter, je pense que je vais peut-être tamponner toute la feuille directement. Je vais essayer de faire ça comme ça. Donc là je suis limite sur le beurre, mais je pense que ça va être bon. C'est pas terrible, mais c'est voilà, pour avoir une première idée. Je fais les autres hors caméra, puis je vous reprends après parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Donc là, je teste avec la presse à tampons parce que j'ai testé comme ça et il y avait des petits défauts, donc je voulais voir. La première fois je me fais la réflexion. Je sais pas si j'ai un souci avec ma presse, mais bon.
c'est de l'autre côté. Non, ça touche pas du tout. Je sais pas si ça vient des tampons ou de ma presse à tampons. Donnez-moi votre avis. Bon, la presse à tampons. Ouais. Petit souci, mais... Alors là, du coup, je suis vraiment déçue de ma presse à tampons, parce que si je peux pas m'en servir avec tous les tampons... Donc il y a des stries là par endroits qui marquent pas. Faut appuyer comme une malade alors. Ouais. Donc sur ce coup-là, déçu de ma presse à tampons, dites-moi si vous l'avez déjà fait. C'est pas possible. Appuyez bien fort. Voilà, bon, en appuyant bien fort avec un bloc acrylique, ça marche très bien. Donc je prends une grosse pince coupante pour enlever. Oula, il est parti loin, lui. Donc, les tamponnages fleurs avec mon bloc acrylique, c'était pas terrible. Il faut appuyer super fort. Avec la presse à tampons, ça touche pas du tout le papier. Alors, je sais pas pourquoi. Donc j'ai refait après avec le bloc acrylique en appuyant bien fort. Donc là après c'est bon. On va passer à la découpe. J'ai passé mes dies dessus. Donc le tamponnage en appuyant bien et puis voilà, et là, ça se fait bien et la découpe se fait impeccable. Voilà, je vais préparer la suite.
Donc là, je vais essayer de tamponner les fleurs pleines, enfin les feuilles, avec la presse à tampons pour voir ce que ça donne. Alors, vous voyez, quand on met là, on voit bien, ça a du mal à prendre l'encre. Il faut beaucoup, beaucoup de passages pour... Est-ce que c'est le tampon qui est trop fin? Bon. Ben, la presse à tampon, on oublie pour l'instant. On va refaire à l'ancienne avec le bloc acrylique. Ouais, bon bah c'est pas c'est mieux, mais il y a encore des petites imperfections là par exemple. Donc, par contre, ils se collent très bien du super. Bon bah c'est pas... je sais pas. Est-ce que ça vient des tampons? Est-ce que ça vient de moi? Bon voilà, j'ai fini mes découpes et puis les tamponnages. Le temps que ma caméra recharge. Donc en fait pour les découpes, j'ai eu aucun souci sur aucun dice. Tout s'est vraiment très bien découpé. Là où j'ai le plus galéré, c'est sur le tamponnage. Donc en fait j'ai bien galéré pour par exemple les sirènes. Donc là j'avais pris la planche comme ça et puis j'avais posé comme ça directement, donc le résultat était encore potable. Et après j'ai essayé avec la presse à tampons et là on voit par exemple celui-là, il voulait pas du tout s'imprimer même au bout de 4-5 passages. Et j'ai eu ce souci-là aussi avec les fleurs. J'ai fait plusieurs essais. Alors celle-là, c'était ouais, le pire. J'arrivais vraiment pas à avoir l'impression partout. Même là, vous voyez. Et donc en fait, bah, la presse à tampons, je me demande s'il n'y a pas un souci. J'ai l'impression que ça vient des tampons qui sont trop fins, soit ça vient de la presse à tampons, je sais pas. J'avoue, je m'en suis pas encore trop servie avec d'autres tampons, donc je sais pas. Donc à la fin, j'ai fini par insérer une feuille sous ma feuille cardstock pour faire un peu plus d'épaisseur. Voilà, le résultat était pas forcément mieux, donc je me suis dit, bon, bah peut-être que ça venait des tampons. Donc vous voyez, par exemple, là ici, j'arrivais pas à la voir. Là, voilà, c'était une catastrophe. Et donc je me suis dit, bon, est-ce que ça vient du tampon ou quoi? Et donc après j'ai tout simplement repris mon bloc acrylique. Et puis en appuyant bien fort, j'ai réussi par la suite à avoir... voilà. Donc ça, j'ai refait du coup les fleurs. Et puis 2-3 petites choses. Donc dites-moi si vous aussi, vous avez déjà rencontré ce genre de problème avec la presse à tampon. Je sais plus si du coup je l'ai filmé. Donc c'est celle-là, hein. Et c'est pareil quand je mets les aimants, parfois je me demande si les aimants sont pas un peu trop épais. Donc voilà, bon, pour l'instant bah, je suis déçue de la presse à tampons parce que bah, la meilleure technique ça restait avec le bloc acrylique, sauf que si on se rate, bah voilà, il n'y a pas de... on peut pas repasser dessus. Donc sinon, donc ce dice là rond, super, nickel, super fin. Il y a juste là le petit bout là qui n'est pas parti, mais moi je fais toujours un aller et un retour dans la machine. Donc ça c'est bon. Donc les fleurs, donc ça c'est fait avec le bloc acrylique en appuyant bien fort.
Ça, c'était, je sais plus avec quelle technique, la presse peut-être. Donc les découpes sont pas mal. Peut-être le petit reproche, mais bon, c'est peut-être pareil sur tout. C'est que je trouve qu'il y a beaucoup trop de bord blanc. Moi, j'aimerais bien que ça soit découpé à ras. Voilà. Donc les feuilles, bah, elles sont superbes. Voilà. Donc ça embossé, ça doit être pas mal. Et puis après peint à l'aquarelle. Les feuilles, donc bah, je vous dis, j'ai eu beaucoup de mal. Bon là après j'ai réussi à le refaire parce que j'ai voulu refaire un essai à la fin. Mais voilà, si on se rate, bah, comme là il en manque un petit peu, bah, je peux pas repasser par-dessus, quoi. Ensuite les petites sirènes, bon bah il y a des tamponnages qui n'avaient pas très bien réussi. Donc là il en manque, enfin voilà, il manque des petits. Donc celle que j'arrivais pas à voir, c'était celle-là. Donc du coup je l'ai refait après avec un breloque acrylique. Et là ça a bien marché. Donc bah, les découpes sont parfaites aussi, hein. Voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'on a tous les petits. Alors je ne les ai pas tous faits, il m'en restait. Parce qu'en fait, comme j'avais mis la plaque comme ça, je ne pouvais pas mettre tous les dice d'un coup, sinon ils se touchaient ou se superposaient. Donc voilà. Donc je l'ai fait en plusieurs étapes dans la machine. Et comme cela était mal tamponné, bon, j'ai laissé tomber la tortue aussi, c'est dommage. Mais il y a vraiment les découpes pour tout. Il y a les petites bulles, les petits poissons avec les petites bulles. Hippocampe, le petit crabe, voilà, les petites algues, coquillages, poissons. Donc c'est vraiment super. Et en plus, je trouve ça rigolo de faire un peu comme un puzzle, de prendre son dice et de trouver quel tamponnage va avec. Voilà, j'ai trouvé ça chouette. Alors, je vais vous zoomer peut-être un peu. Voilà, comme ça vous les voyez un peu mieux. Donc ça, c'est pour tout ce qui est petites sirènes. Et les cactus. Donc bah pareil, j'ai tamponné la planche comme ça directement. Donc ils sont pas très bien imprimés. Mais les découpes, bah pareil, impeccable. Un peu trop de bord blanc à mon goût, mais voilà. Bon bah par exemple celui-là, je l'ai mal centré. C'est pas très joli, quoi. J'ai encore plein d'encre sur les mains. Donc voilà. Donc, mis à part les tampons, où je ne sais pas si c'est le tampon qui est trop fin ou si c'est un souci avec ma presse à tampons. Et moi, j'ai que des tampons. Tampons clear, c'est que du Action ou du AliExpress. Ah non, j'en ai quelques-uns de marque quand même, d'Artemio ou des choses comme ça. Faudrait que je teste avec. Donc, voilà pour ce petit haul AliExpress dyes plus tampons assortis. Donc tous les liens en barre d'infos. Et puis je vous retrouve bientôt pour un autre haul. Là, ce coup-ci, ce sera plus des die-cuts. Je crois que c'est tout. Je ne sais plus. Oui, des die-cuts. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!